Tu éprouves ? Ce que j'éprouve ? Ah oui, c'est la question, qu'est-ce que tu éprouves ? Si je te réponds rien du tout, je suppose que ça va pas te plaire. Mais y a pas une émotion qui t'est venue ? Du genre ? Ah, du genre, est-ce que tu t'es sentie triste, mélancolique, touchée ? Oui. Bah dis pas oui pour me faire plaisir. Alors non. Le vide ? Non, j'irai pas jusque-là. Bah dis-moi jusqu'où tu peux aller ? Bah je sais pas, moi. Je reconnais que les musiciens jouent bien. Ah. Il y avait des violonistes ? Oui. Un. On sent qu'il a commencé le violon très jeune. Continue. Le pianiste, lui, avait l'air de bien maîtriser la situation. Bien maîtriser la situation ? Oui, enfin doué, si tu préfères. Oui, je préfère, oui. Et le compositeur ? Quoi, le compositeur ? Ben oui, figure-toi qu'à la base de tout ça, il y a un type qui a imaginé, conçu cette musique avant de la donner à jouer des musiciens. Mais non ! Oui, ça va peut-être te surprendre, mais pour beaucoup de monde, la majorité même, il est considéré comme un génie. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Ah quand même. Attends, si c'est pour finir par une banalité du genre « Schubert est un génie », voilà, je le dis, Schubert est un génie. Mais la musique s'arrête pas à Schubert. Je me dis ça, il y a... Piaf, Fred Charles, McCartney... Qui ça ? Ah oui, c'est vrai que pour toi, ça a toujours été des antiquités, ça, hein ? Tiens, si tu veux, on inverse les rôles. Tu sais, moi aussi, je peux te faire découvrir des choses. Y a pas que toi qui peux tout m'apprendre. Ok. Bon, alors, je te dis rien. Oui. T'écoutes et tu me dis ce que tu ressens, d'accord ? C'est qui ? Tu connais pas. Power to the people, cause the people want peace. Have no fear, you're safe right here. You are protected, you're respected. The people got a voice, the people got choice. The who, the when, the why, the what, the who, the when, the why, the what, the who. Alors ? Alors quoi ? Eh bien, je sais pas, est-ce que tu t'es senti triste, mélancolique, touché ? Pas vraiment, non. Bah tant mieux, c'est pas de la musique qui est faite pour ça. Tu vois, la musique,
Ça peut être violence. Bon, voilà, excuse-moi, on a l'impression qu'il en veut au monde entier. Il chante pas, il engueule. Il parle de révolte. Bah oui, encore un rebelle. Et t'as pas été un rebelle, toi? Oh, franchement, je m'en souviens plus, tu sais, c'est... C'est devenu un terme fourre-tout. La rébellion, c'est le refus, mais on peut refuser l'ordre et la morale, on peut refuser d'aller faire la guerre, on peut refuser aussi de mettre du lait dans son café. Il refuse quoi, lui? La société. Ah, ah, c'est original. Non, mais ce qui compte, c'est les vibrations. T'as vibré ou pas? Oui, j'ai même frôlé l'électrocution. Oh, papa, on est obligé d'être d'accord sur tout. Ben non, mais ça aide. Ça aide à quoi? Tu sais, moi, je m'en fous si t'aimes pas ce que j'écoute. Alors que toi, si je suis pas d'accord, t'en fais un drame. T'as raison. T'aurais pu tomber plus mal, non? Reconnais qu'avec moi, t'as pas à te plaindre. Bon, à part Schubert. À part Schubert. J'ai toujours très bien travaillé. Oh, tu pourrais être meilleur. J'ai eu mon bac avec mention. Oui, assez bien. Je me drogue pas. À ma connaissance. Je laisse toujours mon portable ouvert. Je te préviens si je rentre tard. Je réponds à toutes tes questions. C'est vrai. C'est vrai, monsieur, c'est vrai. Papa. Oui. Justement, puisqu'on est dans les questions. Oui, oui. Alors, j'ai une question un peu personnelle. C'est quoi une question un peu personnelle? Eh bien, une question dont la réponse n'est pas la même pour tout le monde. Mais encore? Bon, alors un exemple de question pas personnelle, c'est « Quelle heure est-il ?» Une question un peu personnelle, c'est forcément plus embarrassant. Oh là là! Quoi, oh là là? Ah ben, je retire le oh là là! On peut parler? Ben, on peut et on doit, oui. On se dit tout? Ben oui, on dit tout, oui. On dit qu'on se dit tout! Mais c'est pas tout à fait vrai, ça, on se dit pas tout. Ben, qu'est-ce qu'on dit pas? Tu sais très bien. Non. Tu me dis toujours tout? Ben, l'essentiel, oui, je crois. Alors, si je te disais que je sais des choses que tu crois que j'ignore? Des choses que je crois que tu ignores? Oui, des choses qui ne regardent que toi. Tout ce qui me regarde te regarde, Julie. Alors, pourquoi tu m'en parles jamais? Mais de quoi? Non, pas de quoi. De qui? Karine. Karine? Non mais arrête, c'est pas la première fois que tu prononces ce nom. Mais qui t'a parlé de Karine? Ah ah! Dis donc, je crois que je me suis trompée. C'est pas une question un peu personnelle, c'est une question très personnelle. Oh, y a quelqu'un? Do you speak French? Je recommence, Karine. Écoute ma chérie, mets-toi bien ça dans le crâne. Sur ce chapitre, je n'ai aimé qu'une seule femme. C'est bien dans le crâne. Et j'ajoute que je l'aime toujours. C'est très beau ce que tu me dis là. Hein. Mais qui te parle de maman? Moi. Moi, je te parle de Karine. Mais Karine, Karine. Alors Karine, c'est un être humain, quelqu'un qui existe. Une femme qui mérite quand même un peu de considération, non? Non mais on peut savoir. Tu la vois souvent? Ben, souvent. Régulièrement? Ben je note pas. Et quand vous voyez, c'est toi qui l'appelle ou c'est elle? Ben ça dépend. L'un ou l'autre? Ben voilà, l'un ou l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Ben quand vous voyez. Non mais ça va pas, non? Je retire la question. Oui, ça vaut mieux. Non mais donc, quand vous voyez, il se passe des choses que tu peux pas dire. Non mais je peux comprendre. Mais tu peux comprendre quoi? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Mais que tu vois de temps en temps une femme qui s'appelle Karine. Ok, alors admettons et ensuite. T'es gêné? Mais pourquoi? Pourquoi tu m'en as jamais parlé avant? Je sais pas, moi, pour pas tout mélanger. Écoute, Julie, tu es ce qui compte le plus pour moi. Si je suis debout, c'est grâce à toi, ok? Le reste, on s'en fout, c'est de l'anecdote. Ah, donc Karine est une anecdote. Non, mais de quoi on parle, là? De toi. Mais c'est pas intéressant, excuse-moi. Non, et puis justement, figure-toi qu'il y a aussi certaines choses qui ne te concernent pas. T'as bien dit que tout ce qui te regarde me regarde. Je viens de dire « concerne pas ». C'est quoi la différence entre « concerne » et « regarde » Mais j'en sais rien, moi, j'ai pas de faire un cours de sémantique. Et pourquoi pas?
Tu viens bien de me faire un cours de musique. Écoute, Julie, j'ai toujours été un ambitieux. Et à mon âge, et après ce qui m'est arrivé, mon ambition, ma seule ambition, c'est toi. Je te veux grande, forte, armée, invulnérable. Non, mais à chaque fois que tu me dis ça, j'ai l'impression que c'est très lourd pour mes petites épaules. Puis tu sais, d'abord, le bonheur, c'est pas d'être parfait. Là, je te rassure tout de suite, t'es loin d'être parfaite. Non, mais tu sais à qui je pense quand je te regarde, là. Mais c'est pas triste, au contraire. Tu vas pas me la présenter? Mais qui ça? Karine. Mais pourquoi faire? J'aimerais connaître les gens que tu vois. Mais il y a des tas de gens que je vois tous les jours, des amis, des clients, je te les présente pas. Là, tu me parles de ton travail. Oui. Karine, c'est pas un travail. Non. Elle sait que j'existe? Oui ou non? Oui, elle sait que tu existes, oui. Tu lui as montré des photos de moi? Oui, j'ai montré des photos de toi, mais quand t'étais toute petite. Elle n'a pas demandé à me rencontrer. Et pourquoi elle aurait demandé ça? Non, mais je la connaîtrai jamais alors. Mais pour quelle raison? Ok, c'est bon. Ok, oui, merde, oh là là. Ouais, bah, hey. Moi, merde. Voilà. Oh. Non, t'es gentil, tu fumes pas ici, s'il te plaît. Bon, enfin, Karine, je vais rencontrer il y a un an et demi, deux ans et demi, j'en sais rien, moi, puis de fil en aiguille, et puis voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Mais non, c'est pas tout. Tu t'en veux? Mais de quoi? De pas être resté fidèle à maman. Écoute, Julie, c'est une conversation que j'ai pas envie d'avoir avec toi, t'es en dehors. Mais non, mais justement, dans cette histoire, c'est de moi qu'il s'agit. C'est moi qui te bloque. Si j'étais pas là, ta situation serait beaucoup plus simple. Là, je comprends rien à ce que tu me racontes. Mais tu t'empêches, tu te limites parce que je suis avec toi et tu te sens obligé de rester dans le souvenir. Même moi, je suis un souvenir. Mais tu sais, la vie, c'est pas que des souvenirs. Bah, donne-moi une leçon de vie, toi qui as l'air d'être une spécialiste. C'est si difficile de me dire que t'as peut-être envie de vivre avec une autre femme. Mais d'abord, j'ai pas envie, si cela était, oui, ce serait difficile. Ce qui compte, c'est toi. Tu te répètes. Je me répète parce que t'as pas l'air de comprendre. Ah, et tout ça, là, ton travail? Mais je m'en fous, moi, de tout ça, mon travail, oh là là. Oh, dis donc. Je veux connaître Karine. Non. Et pourquoi? D'abord, j'aimerais savoir qui t'a parlé d'elle. Personne. Mais t'as pourtant l'air bien renseigné. Il y a 15 jours, tu m'as déposé à ma fac. Oui. Bon, en plein milieu, la prof a fait un malaise. Elle est tombée d'un seul coup. C'était rien, juste une hypoglycémie. Mais il a fallu interrompre quand même. Alors on est parti plus tôt. Je devais retrouver Clémentine et Laurence. J'ai décidé de les attendre dans un café à 200 mètres de ma fac. Et je t'ai vu. Pas tout seul. À une table, au fond. Au début, j'ai même pensé... Non, j'ai rien pensé. Enfin, si, le hasard. Mais je me suis pas montrée. Je vous observais, elle buvait du thé, toi un café. À un moment, elle a même piqué ton chocolat, tu lui as tapé sur la main, ça l'a fait rire, et vous avez partagé le chocolat. Ensuite, vous êtes ressortis, vous vous êtes séparés, et c'est elle que j'ai suivie. Elle est entrée dans une boutique de vêtements. Moi, j'étais derrière elle, je faisais semblant de regarder des pulls. Elle a rempli un chèque devant moi et j'ai eu le temps de lire. Un bout de nom, un bout d'adresse. Karine, avec un C. Bon ben voilà, maintenant tu sais que je sais. Et ça te fait quoi? Plaisir. Plaisir? Mais oui! Pourquoi ça me ferait autre chose? Je sais pas. Tu vois, je réfléchis. C'est bien qu'on soit proches tous les deux, ça sert à pouvoir se parler, se dire les choses. Mais bon, faudrait pas qu'on se marche sur les pieds. Tu trouves qu'on se marche sur les pieds? Non. La maison est pas assez grande? Alors elle est grande, mais elle est pas assez grande. Je suis sûre que t'as envie de respirer, hein? Moi aussi j'ai envie de respirer.
Tu respires pas? Regarde-moi. Quand je fais que ça. Tu me trouves pas changé? Ben non, dans quel sens? Dans tous les sens. Ben non, pour moi, tu restes la même. Entre la petite fille toute mignonne et maintenant, t'es bien d'accord qu'il y a une différence? Ben peut-être, oui. Mais tu la vois pas. Pas vraiment, non. Bon, alors si je te disais que moi aussi. Toi aussi quoi? Ah ben c'est pas facile quand tu me regardes comme ça. Ah, je voudrais savoir, je te regarde ou je te regarde pas. Bon, par exemple, ma vie c'est quoi? Oui, ta vie c'est quoi? Les études? Oui. Mes copines? Oui. Mais bon, y a pas que ça. Non mais où tu veux en venir là? T'en as aucune idée? Bah oui, une petite, oui, mais qui me fait un peu peur. Alors imagine. Oui. Imagine que je sois amoureuse d'un garçon. Oui. Et que je te dise, j'en suis assez amoureuse pour avoir envie de... Envie de... D'abord de te le présenter parce que c'est super important. Ah ben oui. Ah oui, quand même. Ça, je dois dire. Et puis ensuite, de vivre avec lui. Tu veux recommencer là? J'ai dit imagine. Oui, imagine. Oui, oui. Ben ça y est, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai imaginé. Hein. Et tu réponds quoi? Ben imagine. Hein. Imagine. Imagine que je te réponde non. Il reste peut-être assez d'imagination pour imaginer pourquoi je te réponds non. Mais tu prends même pas le temps de réfléchir. C'est tout réfléchi. Tu demandes pas en savoir ça plus. Ça ne m'intéresse pas. Ah ouais, du tout. Du tout. Ouais, ben c'est pas comme ça que j'aurais dû m'y prendre. Fin d'histoire. Oui, d'accord, fin d'histoire. S'il te plaît, fin d'histoire. J'aurais. Oh. Non, mais tu fais quoi, là? J'ai envie d'aller prendre l'air. Oh, oh, oh. Je peux ou j'ai pas le droit? Non, mais t'es libre. Rentre pas trop tard. Bonjour. 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 Bien dormi? Non. Ah ouais, j'ai super bien dormi, dis donc. Tant mieux. T'as vu? Quoi? Les croissants. Ah oui, c'est gentil. Je suis allé moi-même. Et t'en as pas mangé? Non, c'est pour toi. Moi, j'ai pas faim. Ah ben bizarre. Pourquoi? Ben d'habitude tu dévores. Non, ça dépend. Ben je dois confondre alors. Ben oui, c'est ça, tu dois confondre. Dis-moi, c'est une impression ou tu fais la gueule? T'as pas l'air en forme. Je t'ai dit que j'ai mal dormi. Si j'ai mal dormi, je peux pas être en forme. Oh oh, t'es un peu jeune pour faire des insomnies, hein? De toute façon, pour toi, je suis trop jeune en général. J'ai une idée. Tu ne me demandes pas laquelle? Laquelle? Ce matin, en me réveillant... Non, je dormais. Je dormais, je rêvais d'une île qui existe au large de la Thaïlande. Et ça m'a donné envie d'aller là-bas. Il y a des plages qui n'en finissent pas. Il fait toujours beau. Paradis. C'est là où il y a une raz-de-marée avec tous ces milliers de morts? Non, ça c'est plus à l'ouest. Je suis désolé aussi, ça n'a pas dû changer. Alors? Quoi? T'as mon idée? Je la trouve géniale. Ah, quand même. Ça t'offrira sûrement de très belles vacances. Non, mais si je t'en parle, c'est pour qu'on y aille ensemble. Ça m'intéresse pas. Mais tu les vois comment, tes vacances? Oh, tu sais, on n'est pas obligé de partir. Il faut bien que tu te reposes. Ouais, ben je suis pas fatiguée. Bien.
Mais vas-y, pars, toi. Non, je t'ai dit que seul, ça m'intéresse pas avec toi, rien du tout. Enfin, écoute. Et sinon, pourquoi tu demandes pas à Karine? Je suis sûre qu'elle serait contente. Je sais pas. Propose-lui, tu verras bien. Un super voyage en first, au bout du monde, dans un hôtel 15 étoiles. Ça m'étonnerait qu'elle refuse. T'étais où hier soir? Avec Clémentine et Laurence, on a bu un verre. C'est tout? Pourquoi? Ah, tu voudrais pas qu'on prenne... Qu'on prenne l'histoire, on l'a laissé hier, là, la conversation, on l'a laissé hier soir. Non, mais à quoi ça sert? Ça va changer quelque chose? Mais non, mais avoue que tu t'as une manière de me parler de Karine, là, pour m'amener à ton comment il s'appelle? Qui? Enfin, Julie. Non, mais tu viens curieux d'un seul coup. Hier, tu m'as dit que ça t'intéressait pas. Non, mais je m'aperçois que je sais rien, moi. Je vous ai pas espionné dans un café, je vous ai pas suivi dans la rue... J'ai pas regardé quand il signait son chèque par-dessus son épaule, là. Il a peut-être pas encore checké, d'ailleurs. Allez, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, son âge, j'en sais rien, moi. 45, 55, 65... 58. Hein? Non, mais si tu veux vivre avec lui, c'est qu'il est déjà installé. À 20 ans, c'est rare. Il en a 25. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Ah, ben c'est déjà un début, hein. On peut savoir dans quel domaine? Il fait la sortie des lycées, il vend de la coke. Non. Moi. Il est monteur, il fait du montage de dessins animés. Il gagne bien sa vie? Il s'en sort. Et où on peut voir son travail? À la télévision, dans les programmes jeunesse, le samedi matin. Non mais tu notes quoi là? Ben je note là, les programmes jeunesse le samedi si je peux regarder. Est-ce que tu regardes les dessins animés toi maintenant? Non mais je m'en suis farci des tonnes quand t'étais petit, tu t'en souviens plus? Je suis un bâtard, mon dessin animé. Ça fait peut-être pas longtemps qu'il travaille. C'est sa troisième année. Il s'appelle Arnaud et je le connais depuis un an et demi. Ça te va? Ben pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Parce que tu ne me demandes jamais rien. Ben oui, ben je sais bien que je suis pas très jeune d'esprit, mais j'imagine bien que tu vois ou que tu rencontres des garçons de temps en temps. De là à vouloir habiter avec eux... Papa, je suis amoureuse de lui. Ben c'est bien, mais ça suffit pas. Mais alors qu'est-ce qu'il faut comme pièce justificative? Je viens de sortir une quittance de loyer et un contrat de travail. Mais calme-toi, t'as le temps. Ben non, j'ai pas le temps. Oh. Et puis figure-toi que lui non plus, il a pas le temps. Il commence à travailler à 9h et finit aux alentours de 20h. Ensuite, il rentre crevé. Et moi, je peux pas être dehors tous les soirs, vu que je suis avec toi. C'est si pénible d'être avec moi. Oui! Enfin, non. Tu peux pas comprendre que j'ai envie, que j'ai besoin d'indépendance. Toi, à 20 ans, t'étais plus chez papa et maman. L'époque était différente. Ouais, bah l'époque était peut-être différente, mais toi et moi, il y a des chances pour qu'on soit pareil puisque tu m'as faite. Ce qui veut dire... J'étouffe! Je suis là, je vois des murs ici. J'étouffe, je suffoque. Il y a trop de murs. Même toi, t'es un mur. Bah, je sais pas comment je dois le prendre. Prends-le comme tu veux. T'es un mur! Bah les murs, ça protège! Non! Les murs, ça protège pas. Ça enferme. Je me sens enfermée. En prison? Ben voilà, c'est ça. En prison. Ben, je connais beaucoup de gens qui aimeraient être en prison comme toi. Ici, pour moi, c'est un abri. Mais tu vois, mais c'est exactement ça, notre problème. On n'a pas des mots, ils ont pas le même sens. Pour toi, ici, c'est un abri. Et dehors, c'est la jungle. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je m'en fous de ton abri. Je m'en fous d'être protégé. Je veux sortir, bouger, me prendre les coups. Ben alors, ça rassure-toi, où que tu ailles, quoi que tu fasses, tu vas t'en prendre des coups. Sois tranquille, les coups, ils vont arriver, tu vas voir. Allez donc. Ben, réponds.
envie de répondre. C'était Karine. Pas grave. Tu sais, maintenant, tu peux lui répondre devant moi. Je la rappellerai. Non, mais pourquoi tu es si compliqué? Je te dis que je la rappellerai. Ben, elle insiste, hein. Ah, ben dis donc, peut-être sur les sonneries, c'est un peu con d'avoir la même, hein. Oh, c'était Arnaud. C'est lui. Ouais, ben, je le rappellerai. Ah ben, il va être content, il est au travail comme une bête, il y a 3 minutes pour t'appeler, tu lui réponds pas. Il va être heureux. Tu vas pas travailler aujourd'hui? Non. Je le sens pas. Ah. Ça dérange tes projets? Pas les miens, mais peut-être ceux de Karine. Elle voulait peut-être te voir. Rien n'est important, Julie, quand je suis avec toi. Rien. Vas-y, rappelle-la. De toute façon, je te laisse, je vais prendre ma douche. Papa, rappelle. C'est toi. Oui. Oui, c'est moi, oui. Hein? Oui, bien, et toi? Ah, petit déj avec ma fille, cool, comme d'hab. Et toi aussi, ouais. Hein? Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ben, je sais pas, moi, je sais pas, peut-être son anniversaire. Ah, ben, ton anniversaire! Ah, ben, évidemment, non, mais tu me prends pour qui, là? Ça fait 15 jours que je suis sur le coup, là. Là, j'étais ailleurs, c'est tout, mais tu me connais quand même, non? Ça fait 15 jours que j'ai. Ce soir, je venais te chercher à 20h30. On a pour un petit dîner, tu vois, tranquille. T'arrête, quelque part. Ah ben si je te dis où, ce ne sera plus une surprise, oui, hein. Oui, ça c'est sûr. Ben figure-toi que j'ai réussi à avoir une table chez Guy Savoie. Ah ben ça ne tient pas comme ça une table chez Guy Savoie, tu t'imagines? Ça fait 15 jours, dis donc, je m'en occupe. Je ne suis pas aussi d'improviser, hein, tu me connais. Oui, eh ben je pense te prendre ce soir, 20h30, ok? Oui, moi aussi. Oh. Oui, moi aussi. Moi aussi. C'est mignon! Non, mais t'as fini tes conneries! Ah, c'est vraiment pas un truc de mec, les dates! J'aurais pas été là, tu serais passé pour un abruti! Ça mérite pas un petit merci, ça? Bon, bah, je vais prendre ma douche! Ah, si c'est pour l'appeler la salle de bain, c'est pas la peine de faire couler de l'eau pour rien! Je l'appelle ici, tu fais comme moi, tu l'appelles de là, chacun son tour. Allez, appelle. Ben, je l'ai bien fait, moi. Tu fais le petit. C'est peut-être son anniversaire. Alors non, ça risque pas. Moi, je la connais par cœur, sa date d'anniversaire. Appelle. Assieds-toi. Oh, qu'est-ce qu'on se marre. Arnaud? Coucou mon amour! T'es au boulot? Non, assez mal dormi. Eh bien, parce que j'ai parlé avec mon père hier après-midi. Ah oui, de nous, bien sûr. Tu sais, mon père, vu son âge, il s'y attendait pas. Hein. Ah non, tu penses bien. Quand je lui ai dit que je voulais partir, il a pas sauté au plafond. Non, pas plutôt contre. Complètement hors de question. Pour l'instant, je t'avais dit que ce serait pas simple, mais je n'avoue pas encore vaincue. Tu fais quoi ce soir? Hein, moi rien du tout, je suis tout à fait libre. Mon père a un dîner. Non, malheureusement, un dîner auquel il ne peut pas échapper. Alors on va où tu veux, à part chez Guy Savoie. Oh. Mais oui, je sais que c'est pas dans tes moyens, c'était une vanne. Chez toi? Ah, d'accord, chez toi. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Oh oui, moi aussi. Tu vas chez lui? Oui,
Souvent. Parce que tu vas pas chez Karine, toi? Je vois pas le rapport. Elle est jamais venue ici? Mais jamais. Pourquoi? Mais parce que t'es là. Regarde, ce soir, je suis pas là. Si t'arrives pas à trouver une table chez Guy Savoie, fais-la venir, elle appréciera davantage. Non, mais c'est chez nous, ici. Mais ça veut dire quoi, ça, chez nous? Mais ça veut dire qu'elle est venue chez lui. Peut-être. Mais tu te fous de moi, là? Mais oui, je me fous de toi, je suis pas kamikaze. Papa? Oui. Et si on les habitait tous les deux? Ensemble? Mais oui, ensemble. T'imagines? Mais ce serait deux fois moins tendu, non? Si tu me présentes Karine, elle aura l'impression de passer un entretien d'embauche. Arnaud, pareil. Alors que s'ils arrivent en même temps, ils auront peut-être moins peur, non? Peut-être. Oh, tu veux bien? Non, j'ai dit peut-être. Un petit dîner sympa, sans manière, sans protocole. Une soirée cool. Oui, cool, oui. Comme ça, on règle le problème définitivement. Dans le fond, pourquoi pas? Ouais, t'es génial. Non, je suis pas génial. Pourquoi? Parce qu'il faudrait pas que t'oublies que de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai jamais aller habiter chez ce garçon. Il va voir la tête qu'il a, voici c'est tout, ça s'arrête là. Mais tu le connais même pas! Ça n'a strictement rien à voir! Tu es beaucoup trop jeune! Mais trop jeune pourquoi, putain? Mais je grandis, et tu vois rien! Tu te crois attentionné, mais en fait, tu l'es pas du tout! Si tu l'étais vraiment, tu verrais depuis un moment que je suis pas heureuse. Depuis la mort de maman, tu t'es donné une mission, me rendre parfaite. Tout doit être bien, juste, à sa place. À chaque fois que je fais quelque chose, ou que je dis quelque chose, au fond de moi, j'ai peur. J'ai peur, parce que je sais que tu vas me juger. Et comme ça, tu me vois? Comme un juge? Tu refuses de m'accepter comme je suis. Mais tu es quelqu'un de bien, Julie. Eh bien, peut-être pas. Mais qu'est-ce que tu me racontes, s'il te plaît, enfin? Mais laisse-moi! J'ai l'impression d'avoir tout raté. En tout cas, t'as pas tout réussi. Ben, si je comprends bien, il suffirait que je laisse aller vivre avec ce garçon pour que soudain, je devienne un père aimant et compréhensif, c'est ça? Mais demande-toi plutôt, pourquoi tu me gardes près de toi? Quoi? Pose-toi la question. Je te demande pas la réponse, je la connais. Ben, dis-la moi. T'as peur d'être seule? Tu crèves de peur! Finalement, je vais peut-être aller travailler. Papa, tu repasses ici avant ton dîner? N'oublie pas de réserver ton restaurant. Tu es pressé? Ah, oh, pas spécialement. Reste encore un peu. Je suis là. Qu'est-ce que tu regardes? Ah non, mais ça, c'est pas encore fini. Tu aimes? Bah, quelle question, c'est quoi? Un genre d'autoportrait. Ah, bah oui. Oui, un genre, oui, je vois, oui, parce que... Ah non, super.
Oui, hein, ça fait un peu fort sur la poitrine, là. Hein. Non, mais rends-le-moi. Mais attends. Non, mais j'ai aucun talent. Mais j'ai dit ça. Allez, donne. Mais s'il te plaît, laisse-moi regarder. Non, mais tu regardes pas, là, tu te moques. Non, non, non. Je te jure, j'ai pas les mots savants pour dire ce que je pense, mais ça me plaît. Tu me l'offres. Ouais, tu dis ça pour te rattraper, hein. Ok, ben vends-le-moi, je te l'achète. Oh, mais t'as pas les moyens, hein. Oh. Mais je fais pas de la peinture pour qu'on me couvre de gloire, moi. Je peins juste parce que ça me rend heureuse, voilà. La reconnaissance, la postérité, je laisse ça aux autres. Alors là, c'est gagné parce qu'il n'y a ni reconnaissance, ni postérité là-dedans. Non, mais rigole. Rigole. Non, mais t'aimerais pas mieux gagner ta vie, là, au lieu de faire tes petits dessins de Mickey qui te rapportent rien dans les journaux. Mes petites illustrations me suffisent amplement. Et puis d'ailleurs, j'ai jamais compris comment on pouvait se séparer d'un tableau. Moi, toutes ces toiles, là, ces dessins, mais ce sont mes bébés. Voilà, inaboutis, bâclés, difformes. Mais ce sont les miens. Et celui que tu m'as offert. Bon, bah, alors ça, j'étais idiote, j'aurais pas dû. Hein. Mais je sais même pas ce que t'en as fait, d'ailleurs. Ben, j'ai essayé de le vendre, rien à faire, dis donc. Non, mais tu serais pas plus heureux si un mec bourré de fric venait te dévaliser, là? Que la critique te reconnaisse, te respecte, non? Non, et je refuse de parler de choses sérieuses avec toi, t'as pas le niveau. J'ai pas le niveau, ben c'est parfait. Ah! Ça y est, tu remets ta veste? Bon, ben voilà. Je te sens pressé de rentrer, hein. Je t'ai dit que je l'étais pas. Non, mais tu regardes ta montre, hein. Non, mais attends, je peux pas remettre ma veste, je peux pas regarder ma montre, je peux pas parler de peinture, dis-moi ce qu'on peut faire, ça sera plus simple. Tu veux rien? Non, j'ai eu l'essentiel. Sale type. Pourquoi tu dors jamais avec moi? Oh non, on va pas revenir là-dessus, s'il te plaît. Oh là là, le nombre de choses sur lesquelles je ne dois pas revenir. Oh là là. Tu sais quoi? Un jour, je mettrai un somnifère dans ton verre, une dose de cheval. J'ai bien réfléchi, c'est le seul moyen de te garder pour la nuit. Là, écoute, avant d'en arriver là, j'ai quelque chose à te proposer. Quelque chose qui risque de te surprendre. Oh oui, 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 surprends-moi. C'est nouveau, hein? Ah, mais je ne demande que ça, la nouveauté. Ok. Un dîner. Un dîner? Oui. Et c'est ça qui est censé me surprendre? Non, mais pas un dîner comme les autres. Un dîner chez moi. Ah. Ah oui, bah effectivement, c'est déjà plus nouveau. Mais c'est moi toute seule que tu invites ou tu organises une journée porte ouverte? Non, c'est toi que j'invite, mais pas toute seule. Ta fille s'en va quelque part? Non, ma fille sera là. Un dîner avec elle? Oui, un dîner avec Julie. Attends, là, il faut que tu m'expliques, j'ai raté un épisode. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il n'y a rien arrivé, il est arrivé que... qu'elle veut te connaître, quoi, c'est tout. Tu lui as parlé de moi? Non, c'est pas tout à fait aussi simple, non. Elle nous a aperçus un jour dans un café, comme ça, et puis... Elle m'a questionné et ben pour clarifier tout ça, on a décidé d'un petit dîner informel, tu vois, comme ça. Parce que je t'ai pas tout dit. Il y a un scoop. Figure-toi que elle aussi, elle a quelqu'un. Non. Oui. Tu pars d'un scoop. Elle a quelqu'un. Oui, elle a quelqu'un. Ah non, mais c'est incroyable cette histoire. Oh, j'en reviens pas, dis donc. Elle a quelqu'un. Oui. Elle est belle, elle a 20 ans, elle a quelqu'un, elle t'appelle ça un scoop? Non, mais tu vis à quelle époque, là? Bah, tu crois pas que... Tu crois que ta fille est bizarre, que tout ça est totalement normal? Non, 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 je ne trouve pas, non. Bah, c'est peut-être moi, alors. Ah, ça, c'est possible. Bon, et alors? Mais alors, figure-toi que j'ai accepté de la rencontrer. Non. Si. Oh non, t'as pas fait ça. Oui. Pas si, toi. Si, si. Elle m'a dit, papa, je voudrais te présenter mon... Comment on dit, là? Un homme, un juif, un fiancé, un chéri. Voilà, c'est ça, oui. Enfin, de toute façon, tu peux pas comprendre, tant que t'as pas d'enfant. Bien. Alors, voilà. Il s'appelle Arnaud. Il a 25 ans. Et on a décidé, comme ça, de faire connaissance, tu vois, d'une manière non protocolaire. Une soirée non protocolaire, moi avec lui et toi avec elle.
Mieux vaut tard que jamais. Tu acceptes? Ah non, alors ça c'est toi. Hein. Tu m'invites et puis après tu es déçu que j'accepte. Quel jour? Non, parce que tu penses, une soirée comme celle-là, là, je me libère quoi qu'il arrive. Hein, Le moment est carrément historique. Mercredi. C'est noté. Bon, j'imagine que j'aurai un paquet de consignes. Ah, non, mais ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Non, bah, bien sûr. Tu n'auras qu'à m'envoyer la liste par mail. Je serai une jolie marionnette de scie. Bonsoir, jolie. Oh, mais comme elle est jolie. Et ses yeux, des yeux magnifiques. Tout le portrait de son papa, hein. Non, mais qu'est-ce qui te prend, là? J'aimerais juste que tu réalises qu'il aura fallu que ta fille nous découvre par hasard pour que je puisse enfin prétendre à une existence légale. Je vais enfin pouvoir figurer dans ta vie officiellement. Non. Comment ça, non? Non, Karine. Bah, enfin, sois cohérent, là. Attends, tu m'annonces une nouvelle qui a des conséquences évidentes sur ta vie, sur la mienne, ça peut pas être non. Écoute... Quand on s'est connus, je m'en souviens très bien, j'aimerais que tu t'en souviennes aussi, j'ai imposé une règle. J'ai dit, rien d'officiel et pas de promesse. Oui, mais rien d'officiel et pas de promesse, sauf que là, manifestement, c'est toi qui fais une entorse à la règle, puisque tu veux me présenter ta fille. Donc, pour l'officiel, la règle n'est déjà plus valable. Mais c'est Julie qui veut te connaître. Ça fait une différence? Une nuance. Trop subtil pour moi. Non, mais c'est pas parce que ma fille... est au courant de notre relation, que cette relation doit fatalement évoluer, non? Et qu'est-ce qu'elle doit faire alors, cette relation? Fatalement stagner ou fatalement régresser? Écoute, Karine, quand on s'est connus, j'étais en mille morceaux. Tu m'as ramassé à la petite cuillère, hein? Et si aujourd'hui je vais mieux, c'est grâce à toi. Mais entre aller mieux et changer le... Enfin, tu vois, d'une façon différente... Non, 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 là, je vois pas, là. Tu me fais des bouts de phrases qui s'emboîtent pas, là, j'arrive pas à les remettre dans l'ordre. J'ai rien à t'offrir, Karine. Tout ce que j'avais, je l'ai donné à une autre. Elle a tout emporté. Nous, on est là, on partage des petits moments, on picore des petites choses. Faut dire que pour moi, ça me convient, mais je comprendrais parfaitement que pour toi, ce soit insuffisant. Mais c'est insuffisant. Ben, libre à toi de te refuser en bloc. Oh, moi, tu veux faire mal, plus c'est douloureux. Mais je veux pas te faire mal, je te dis des choses que tu sais parfaitement. Je te mets face à tes contradictions. Mais il n'y a pas de contradiction, Karine. Je suis heureux de ce qu'on vit ensemble, mais ne fais pas semblant de découvrir une situation que tu connais par cœur. Enfin, s'il te plaît. S'il te plaît. Ben oui. Mais non, je voudrais juste que tu... Je voudrais pas que tu penses que le temps joue pour toi. Et que je compte. Mais non, il n'intervient pas. Je te présente ma fille, ça ne doit rien changer à l'avenir. Rien ne doit bouger, c'est tout, non? Mais n'importe qui à ma place, tu dirais, mais fous le camp d'ici, n'en viens plus jamais. Mais pourquoi je trouve pas la force, là? Ben ça y est, hein, tu l'as dit. Ah non. Ah non, 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 là, pas d'accord, là, c'est trop simple. Hein. Là, tu vas m'écouter avant de partir. Ton problème, là, c'est pas que tu vives avec des fantômes, c'est que tu puises en eux ta dignité. Tu portes ton deuil comme d'autres portent la Légion d'honneur. Tu en as fait une sorte d'immunité. Il y a 12 ans que t'as pas l'Espagne. 12 ans. Mais tout le monde trouverait normal que tu refasses ta vie. Tout le monde. Ta vie, la première. Bah, tout le monde sauf moi, voilà. Ah non. Non, mais quand t'étais tout petit, toi, il y a un tordu qui a dû t'expliquer que les morts continuaient de regarder les vivants. Hein, qui nous surveille. Tu crois que ta femme te regarde? Elle est partie. Et là où elle est, elle ne reviendra pas. Mais tu passes ton temps à t'interdire d'être heureux, à cultiver le malheur comme si tu avais peur qu'il s'efface. Tu entretiens tes blessures comme d'autres entretiennent leur musculature, là, avec obsession, avec angoisse. On a l'impression que pour toi, le bonheur est une chose vulgaire. Mon bonheur n'est pas vulgaire. Mon bonheur, c'est ma fille. Mais elle va quitter ta fille, elle se sert de moi pour partir. T'as pas encore compris?
ce dîner-là. C'est elle qui en a eu l'idée. Pas toi. Réponds-moi sincèrement. C'est elle. Alors, à ton avis, mais pourquoi? Mais regarde les choses comme elles sont, pas comme tu voudrais qu'elles soient. Elle prépare sa rupture. Il faut bien que ça arrive un jour. Tu veux finir tout seul? On finit toujours tout seul. Je t'aime. Ne dis pas ça, s'il te plaît. J'attendrai tout le temps qu'il faudra. Il n'y a rien à attendre, Karine, Agnès. Faut prendre les choses comme elles sont, pas les prendre du tout. Écoute, mon ange, tu attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Alors. Pour terminer, c'est non, je viendrai pas. Faudra pas compter sur moi. J'avais compris. J'ai pas pris mes clés. Et t'as pris tout ça? Mais comment tout ça? On avait dit un petit dîner cool. Non mais un petit dîner cool, c'est pas forcément de la bouffe tout plastique. Mais oh. Non, mais pauvre traiteur, t'aurais pu choisir plus simple, oh là non là là. Et de toute façon, je comptais faire les pâtes. Les pâtes? Pourquoi pas des sandwichs? Tu sais, c'est très bon les pâtes. Oui, c'est très bon les pâtes, mais pas quand on reçoit. Non, mais on reçoit, rien que ce mot. Eh ben oui, on reçoit, voilà. Et bon. Et je te préviens, on dîne ici, pas dans la salle à manger. Bien, madame. Ah, regarde. Oui, j'allais oublier, là, j'ai eu Karine, elle a un empêchement. Quoi? Ah oui, elle vient de me téléphoner pour s'excuser. S'excuser? Oui, elle est peintre. Elle est peintre et il y a un type du bout du monde qui vient voir ses toiles, ses tableaux. Alors elle m'a dit, je peux pas, je suis, voilà. Elle vient pas. Je viens de te dire qu'elle a un empêchement. Mais on a fait tout ça pour elle. Mais on n'a pas fait tout ça pour elle. Il vient là, l'autre machin, là, Renaud Arnaud. Tu me demandes pas ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que t'as acheté? Des langoustines à la pompe à dos. Avec un émincé de perche au travaillac et une marguerite de petits légumes. Et un délice de cacao. Façon reine de Saba. Et ça se mange? Ça se déguste. Non mais c'est quoi ça? Les assiettes normales, on s'en sert tous les jours. Passe-moi les autres derrière toi, s'il te plaît. Oh là là là. Là, ça va faire dîner chez la reine d'Angleterre. Oui. Bah, entre dîner chez la reine d'Angleterre et plein du jour chez Mimille, il y a un juste milieu. Tu vas nous plomber la soirée avec tes assiettes. Oh, et pour le vin, j'imagine que tu t'es ruiné. Non, j'ai pris un petit Saint-Émilion, c'est tout. Ouais, bah si c'est pour Arnaud, je connais ses goûts, il préfère le Coca Light. Alors écoute, pour une fois, elle fait un effort. On l'invite, il va pas nous faire chier. Eh bien, si ça démarre comme ça, je me demande, ça ferait pas mieux d'annuler. Pas avec de l'argoutine à la pompe à lourd. Coca Light. Passe-moi les verres derrière, là. Oh là 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 là.
Non mais Karine, je la rencontre quand alors? Mais j'en sais rien. T'as changé d'avis? Mais non, j'ai pas changé d'avis, Poussin. Écoute, quand t'es peintre et que tu t'appelles pas Picasso et qu'un mec vient voir tes toiles de l'autre bout du monde, tu lui dis pas « Excusez-moi, j'ai un dîner ». Bah non, c'est sûr. Et ben voilà, c'est tout. On n'a pas fait ça pour rien, on sera deux ou trois. Trois au lieu de quatre, pardon, il vient l'autre, la machin, comment il s'appelle. Hein? Tu seras gentil avec lui, parce que là, il est tétanisé. Ah ouais? On s'est parlé au téléphone, il en était à se demander s'il fallait qu'il arrive avec une cravate. Bah tu lui as dit oui, j'espère. Est-ce que je peux te demander une chose? Oh, tu me fais peur. Une petite faveur. Allez, vas-y, toujours. Quand tu parleras avec Arnaud, évite l'interrogatoire. Comment ça? Pas d'interrogatoire. J'aurais pas le droit de lui poser des questions? Si tu peux éviter, c'est mieux. Bah, comment je vais faire pour parler avec lui? Eh bien, tu bavardes normalement, en disant des phrases qui se terminent par des points, des affirmations. Surtout pas de point d'interrogation. Ah, mais ça va être commode. Si t'as des questions, tu me les poses à moi en privé. T'as pas peur que le dîner manque de piquant, la conversation manque de piquant, non? Pas pour lui, non. C'est déjà une torture de passer cette porte. Torture? Non, mais avec Karine, il y aurait un équilibre. Là, elle vient plus, il se retrouve seul, ça fait un peu guet-apens. Guet-apens? De vous deux, c'est lui qui passe le casting. Oh, ben il passe le casting pour me piquer ma place, alors tu penses? Non, mais piquer ta place, monsieur le paranoïaque. Tu sais, personne n'apprendra ta place. Ah, j'espère. Je vais me changer. Non, mais t'es bien comme ça. Non, je suis pas bien comme ça. Toi, tu soignes ta table, et moi, je soigne ma tenue. Mais qu'est-ce que tu vas mettre? Tu verras bien. Surprise. Oh là là. Et mets de la musique, s'il ouais, te plaît. De la musique. Oui, allez, dégage, dégage. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous êtes... Je suis... Non, je sais que vous êtes entré. Excusez-moi, monsieur, je suis en avance. Ici, il n'y a pas d'avance, il n'y a pas de retard. On passe quand on veut. C'est une soirée cool. Cool? Détendu? Oui, oui, j'avais compris. Mais... Ah, il parle anglais, c'est bien ça. Tenez, monsieur, je vous apportais ça. Je vous la donne? Voilà. Alors, c'est un asparagus. Oui, oui, je ne connaissais pas le mot, hein. C'est la vendeuse qui me l'a appris. Oui, ça, mais... asparagus, ça vient d'asperge, c'est une asperge. J'espère que vous n'avez pas oublié la vinaigrette. C'est votre fille, en fait, qui m'avait conseillé de... De vous apporter quelque chose. Oui, une asperge. J'espère qu'elle a bien fait. Ce qu'elle fait, bien fait. Oui, oui. Elle n'est pas là. Si, si, elle est là. Merci. Bon. Bon, en tout cas, monsieur, c'est bien chez vous. Hein. Et puis, c'est facile à trouver. C'est simple, c'est connu. C'est peut-être pour ça que je suis en avance, d'ailleurs. Vous n'étiez jamais venu? Non. Non, non, monsieur, non, jamais. Jamais? Jamais. Ah, c'est bien! Ah, c'est bien! Elle tarde? Oui, elle s'habille. Ah, c'est pour ça. Ben, vous savez, c'est comme toutes les femmes, ça prend un peu plus de temps. Eh oui, oui. Mais sinon, monsieur, elle est où Qui ça? Ben, Julie m'a dit que vous receviez aussi une autre personne. Ah oui, j'ai commandé contre-temps. Ah, bah ben, merde. Pardon? Non. Non, 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 pardon, monsieur, je veux dire, c'est fâcheux. Ah oui, c'est fâcheux. Bien grave. Pour? Ben, pour la personne qui devait être là, parce que Julie m'a dit que c'était votre... Ma? Non, non, une amie. Elle vous a dit ça? Elle n'aurait pas dû. Mais si, bien sûr. Remarquez, monsieur, ça ne me regarde pas. Hein, Vous savez, indirectement.
Sinon. Oui, monsieur, sinon quoi? Non, pas de sinon. Julie ne veut pas que je vous pose une question, elle a peur que je sois indiscret. Ah bon. Elle vous a sûrement dit que nous ne recevions jamais personne. Oui, 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 elle m'a déjà dit elle ça. Elle vous l'a dit ça, c'est bien. Bien écoutez, excusez-moi de vous interrompre. Je reviens dans une minute. Julie. Julie. Vous ne voulez pas vous asseoir? Pardon, monsieur, je... Non, pas de question. Assis. Assis! Des phrases avec des points. Ah oui, alors c'est des ordres. Alors. C'est des ordres, assis. Je plaisante, bien sûr. Vous boirez bien quelque chose, ça va détendre l'atmosphère. Ah oui, oui, c'est très... Voilà. C'est très gentil, monsieur. Merci, mais... Mais... Vous n'auriez pas un Coca Light? Hein? Parce que je suis migraineux, je ne bois pas d'alcool. Oui, dès que je bois d'alcool, ça me tape sur la tête. Il n'y a pas que l'alcool, hein, d'ailleurs, le stress aussi. Le stress aussi? Oui, oui, ça à tous les coups, ça. Oui, mais ici, il n'y a pas de raison. En principe. Et vous n'avez pas de problème avec le sucre? Non, 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 le sucre, ça va, monsieur. Alors, un jus de fruits? Oui, oui, un jus de fruits, c'est très bien. Arnaud me disait qu'il était migraineux. Oui, je suis au courant. Emmerdant, ça. Emmerdant pour quoi? Emmerdant pour lui. Oh, tu sais, on a tous nos petites misères. Bien sûr, oui. Oui, non, mais monsieur, je vous rassure. S'il vous plaît, rassurez-moi. À part ce problème, je suis en bonne santé. Hein. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que tout marche bien. À propos, Arnaud est arrivé avec une asperge. Une asperge? Oui, non, enfin, un asparagus. Julie! Oh, mais tu sais, t'étais pas obligé, hein? Comment ça, pas obligé? Parce que c'est toi qui m'as dit, viens avec un truc cher. Moi, j'ai trouvé. Alors, comme ça, vous faites du montage de dessins animés. Non, vous faites du montage de dessins animés, vous. Oui, oui. Oui, j'ai vu notre dernier film, là, l'histoire du... Le film sur le pingouin qui sur la banquise qui s'enrhume, qui éternue tout le temps. Ah, tchoum, le pingouin, ah, tchoum. Ah, c'était drôle. Alors tu sais, ça s'adresse à des spectateurs très jeunes. Oui, c'est pour les enfants de 5 à 9 ans. Pas facile l'âge, non? Oui, je suis resté très jeune, j'ai beaucoup aimé. Ah, tchoum, le pingouin. Vous savez que Julie possède une collection de 150 dessins animés. Achetés par papa. Et par maman, s'il te plaît. Ah, oui, monsieur, Julie m'a dit. Quoi donc? Au sujet de votre femme, je suis au courant.
son accident de voiture. On peut parler d'autre chose? Attends, j'y vais. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis Karine. Oh. Ben, tu as pu... J'ai pu quoi? Oui, j'avais expliqué à Julie que tu avais un potentiel acheteur qui venait de l'étranger, que tu étais... Mais donc tu as pu te libérer. J'ai pu me libérer, oui, c'est formidable. Eh bien voilà... Arnaud. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et Julie, ma fille. Alors, papa m'a dit que vous êtes peintre. Oui, enfin, disons que je peins, ça n'est pas tout à fait la même chose. Oui, il m'a dit aussi que vous n'êtes pas Picasso. Bon. Enfin, Julie. Non, non, je ne suis pas Picasso, non. Oh, excusez-moi, Karine, asseyez-vous. Merci. La peinture, c'est difficile d'en vivre? Oui, c'est assez rare. Et donc, financièrement, vous êtes indépendante? Bon, enfin, Julie! Je ne suis pas milliardaire. Pour gagner ma vie, je fais des illustrations pour des magazines. Oui. Alors ça, justement, c'est intéressant parce que ces illustrations, ces Mickey dans les magazines sont tout à fait modernes, contemporains, bien sûr, alors que sa peinture est totalement abstraite. C'est paradoxal, non, Arnaud? Oui, oui. Je sais pas, monsieur, moi j'ai pas d'avis, là. En tout cas, ce soir, on a deux artistes en même temps. Ah, et qu'est-ce que vous faites? Non, moi je fais pas de l'art, je suis monteur. Oui, mais il faut quand même une certaine sensibilité, Arnaud. Oui. Voilà. Vous voulez boire quelque chose, Karine? Oui, volontiers, mais je ne sais pas, je... Oh, papa doit sûrement savoir, non? T'as l'habitude. Tu t'en occupes? Je vais dire une banalité, mais vous êtes ravissante. Vous avez les yeux de votre père. Et le sourire de ma mère. Oui, je n'ai jamais l'occasion de voir comment elle était. Oh, c'est simple, je vais vous la montrer. Je suis désolée. Mais de quoi? Vous n'y êtes pour rien. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Avec votre père? Très simplement. J'exposais à une petite galerie à Saint-Germain. Il était là, le coup de foudre. Oui, pour sa peinture. Alors j'ai eu la curiosité de regarder les choses que vous faites. Et ça donc, j'ai cherché sur Internet. J'ai pas vu. Alors rassure-toi, c'est pas marqué que vous êtes ensemble. Le plus beau, je l'ai donné à votre père. Oh, tu l'as mis où? Mais hein? Oui, tu l'as mis où? Au bureau. Et pourquoi pas ici? Ah mais oui, pourquoi pas ici? Je sais pas. Donc vous faites des peintures pour bureau, pas pour appartement. Vous savez, c'est toujours difficile d'imaginer que sa peinture va finir sur un mur. Hein, c'est... Ben oui, la vocation d'une œuvre. La vocation d'une œuvre, c'est de rester dans l'esprit et dans le cœur de l'autre, non, voilà. Arnaud? Hein? Oui. Ah oui. Bon, je sais pas, monsieur, moi j'ai pas d'avis là. Et vous deux, là, vous êtes rencontrés comment? Nous deux? Oui, vous deux. Bon. Rien d'extraordinaire, à une soirée. Quel genre? Normal. Dansante. Alors ça fait des années, papa, qu'on n'est plus soirée dansante. Bon, bah une surprise partie, une surbouffe, j'en sais rien. Carrément grotesque. Eh ben une soirée. Une teuf. Pardon? Je dis une teuf. Eh ben voilà, une teuf. Une teuf, c'est le mot que je cherchais. Il y avait une super ambiance. On était au moins 150. Et dès qu'on s'est parlé... Oui. Nous aussi, comme vous. Coup de foudre. Ah oui, coup de foudre. Enfin, faut dire que ce soir-là, on avait bu pas mal de sangria. Vous avez bu de la sangria, vous? Oui, oui. Ça a dû vous faire une tronche comme ça. Eh bien, vous
Sincèrement, non, pas ce soir-là. T'es rentré tard ce soir-là? Oui, très tard. On est d'abord passé chez lui, tu sais, c'était pas loin. Vous habitez où? Dans le 19e. Un petit deux pièces, très agréable, sur jardin. Oui, il y a de très jolies choses par là-bas. Oui. C'est bête. J'aurais dû te demander d'apporter des photos. Des photos, oui, pourquoi faire? Ben pour qu'il les voit. C'est important qu'il se rende compte comment est ton appartement. Au cas où. Ah oui, bah écoutez, monsieur, la prochaine fois, je vous apporterai une bande démo. Et vous, Karine, vous habitez où? Tout près du bureau de votre papa. Oh, tiens, comme c'est pratique. C'est pratique pour quoi? Pour se voir. Mais c'est un pur hasard. Un hasard bien pratique. Et bon. Oui, enfin, parfois, c'est lui qui vient, parfois c'est moi, il ne travaille pas tout le temps, vous savez, c'est une légende, ça. Bien, mais écoutez, puisque tout le monde est là, on va passer à table. Oui, je meurs de faim. Karine. Julie et Arnaud, en face de moi. Très bien, monsieur. J'aimerais aller me laver les mains, si possible. Me laver les mains. En face. Merci. Il trouvera pas. Attends, viens, je vais te montrer. Non, mais il est pas con, il peut pisser tout seul. Eh bien, je préfère l'accompagner quand même. Je peux? Tu croyais te débarrasser de moi comme ça? Alors, il te plaît? Qui ça? Ton futur gendre. Et moi, ta fille, tu crois que je lui plais? Elle prépare le terrain, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et contre ça, tu ne peux rien. Merci de m'ouvrir les yeux. Bon, écoute-moi. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Si je suis venue ici ce soir, c'est parce qu'on a une chance à saisir. Oui, ben c'est ridicule, t'aurais pas dû venir. Tu dis ça pour me faire du mal? Non, je dis ça parce que je le pense. Mais j'aurai toute la patience qu'il faudra, Mais je ne t'ai jamais demandé d'avoir la moindre patience, Karine. Alors qu'est-ce que tu veux? Rien, c'est clair. Non mais Julien, tu peux pas... Karine, je... écoute... Rien. Ça va? Très bien. Tu finiras seul, Julien. Tout seul. Dans ton superbe appartement vide. Tu passeras ton temps à regarder des vieilles photos, à les ranger par ordre alphabétique ou par décor, à guetter la sonnerie du téléphone, à contempler la ville derrière ta grande fenêtre et à te demander comment font les gens pour supporter leur existence. Et le pire, c'est que tu n'auras pas conscience de l'étendue du gâchis. Je ne dis pas ça pour moi, je sais que tu ne me regretteras pas. Moi, j'étais une parenthèse. Une parenthèse, ça ne doit pas traîner en longueur, sinon c'est plus une parenthèse. Et ne crois pas que je me réjouisse de ce qui t'attend. Hein. Je t'ai aimé, je t'ai espéré. Mais là, je suis à bout de force, je suis fatiguée, mon Dieu. Adieu, Julien. Arnaud? Oui, madame. Je crois que vous avez réussi votre examen de passage. Merci, madame. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas couché? Si, vaguement. Il est super tôt. Je dors pas bien en ce moment, pas toi? Oh, j'ai jamais eu un très bon sommeil. Moi, ça s'explique. Moi, pas, c'est bizarre. On a un peu raté notre coup hier soir, non? Tu trouves?
Un petit dîner cool. Excuse-moi, c'était pas exactement ce qu'on peut appeler un dîner cool. Oh, l'important, c'était lui, lui et moi. Fallait qu'on se rencontre, qu'on se connaisse, qu'on se renifle. Et alors? Ben alors, c'est fait, voilà. Il n'avait pas l'air très à l'aise. Moi non plus, d'ailleurs, mais bon. On va se détendre. C'est pas ce que je te demande. Comment tu le trouves? Il te plaît à toi, c'est l'essentiel. Pardon? J'ai dit, il te plaît à toi, c'est l'essentiel. C'est la seule chose qui compte. Je rêve? Non. Mais j'ai toujours cru qu'il me fallait un petit ami qui te convienne à toi d'abord et à moi ensuite. Ben non, tu vois. Je vous ai regardé et ça m'a suffi. Autre chose? Ah non, mais rassure-toi, ça s'arrête là. Après ce qui s'est passé hier soir entre Karine et toi, je lui expliquerai qu'habiter ensemble, c'est pas pour tout de suite. De toute façon, j'aurais même pas besoin de l'expliquer. Il est malin, il l'a parfaitement compris. Ben, il s'est trompé. Quoi? Tu t'imaginais dans ta petite tête machiavélique qu'en me refilant Karine, je me consolerais de te voir partir. C'était ça ton calcul? C'était pas un calcul. Je pensais que ça pouvait aider, c'est tout. Mon amour, rien ni personne ne prendra jamais ta place. J'ai peu dormi cette nuit, j'ai beaucoup pensé, beaucoup réfléchi. Et alors je me suis dit qu'il y avait des décisions qui étaient difficiles à prendre. Et que là, c'était même pas une décision, c'était... Alors fais comme tu le sens. Ne pense qu'à toi. Il y a quelques jours, j'étais beaucoup trop jeune et là, j'ai mûri d'un seul coup. Oui, ça doit être ça, oui. T'acceptes? Non seulement j'accepte, mais je t'y encourage. Note que je ne te chasse pas. Si ça se passe mal, la porte sera toujours ouverte. On va pas épiloguer, non? Ça me regarde pas, mais... Tu veux pas essayer de rappeler Karine? Non, Karine, c'est fini. T'es pas triste? Non. Non, je le prends avec un certain soulagement. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Ben, je vais continuer, je vais travailler. Tu disais que j'avais peur d'être seul. Alors, je vais me battre, il faut bien. Papa, je... Non, non. Ne dis rien. Tu vas mentir. Tu sais, quand ta mère a eu son accident de voiture, à l'hôpital, tous les médecins étaient quasiment sûrs de la sauver. Et puis le lendemain... Alors à partir de ce moment-là, je me suis dit, pour Julie, il faut que je fasse mieux que sa mère, si cet accident, c'est moi qui l'avais eu. Bah, tu veux que je te dise, j'en ai fait trop, c'est maintenant que je m'en rends compte. Trop de règles, trop d'interdits, trop de principes, trop de tout. Ta mère aurait été plus souple. Je sais pas. On se disputait souvent sur la manière, sur le mode. Elle me trouvait trop raide. Et quand elle est partie, je me suis radicalisé. Je détestais l'idée du papa copain. Mais je t'aimais comme un fou, tu peux pas savoir. Peut-être parce que je suis très tard. À l'âge que j'avais, je pensais pas que tu arrives.
Quand tu es né, tu sais comment je t'ai appelé. Mon petit miracle. Tu me l'avais jamais dit? Non. Parce que le miracle, ça aurait été que ta mère soit encore là. Tu penses trop à elle? Tu y penses pas, toi? Si, bien sûr. Et toujours avec tendresse. Moi, j'ai accepté. Non, jamais. Jamais, jamais. Oui, Arnaud? Donne. Attends, qui pas. Arnaud. Arnaud, c'est Julien. Arnaud, si votre intention est toujours de vivre avec Julie, elle me charge de vous transmettre sa réponse. Eh oui. Oh non, Arnaud, non. Non, c'est pas une plaisanterie, non. Non, ben, vous savez, vous ferez comme vous le sentez, comme vous voudrez. Moi, ça ne me concerne plus. Ne quittez pas Arnaud. Elle vous rappelle, Arnaud. Il y a encore des livres, des films et des vêtements, des penderies entières. Bon, tu sais, presque tout ce que je laisse, c'est des affaires qui me vont plus, hein. Il y a vraiment des trucs, je sais pas pourquoi je les gardais. Ça sert à rien. C'est des trucs de quand tu étais petite. Ça sert à rien. Mais moi, j'y tiens. Tu peux les donner si tu veux. Oh, sûrement pas. Enfin, si t'as un doute, tu m'appelles. Voilà. De toute façon, les choses auxquelles je tiens, je les ai prises. Je sais. Pense que tu m'auras plus tout le temps sur le dos. Je ne pense qu'à ça, Julie. Quelqu'un qui sera plus là pour te dire non. Tu lèveras plus les yeux au ciel à chaque fois que tu m'apprendras quelque chose. C'est vrai. T'es pas beau, oublie pas ton foulard. Pourquoi t'as pas voulu venir voir l'appartement d'Arnaud? Parce que tu me l'as décrit. Mais c'est pas la même chose. J'avais pas envie de t'imaginer ailleurs qu'ici. Je comprends pas. Pas grave. Bonjour.
monsieur. Bonjour, Arnaud. Alors, c'est le grand jour. Le premier d'une aventure. On part la fleur au fusil, on croit connaître le dénouement. Alors que rien n'est moins sûr. Vous savez, c'est une des choses les plus difficiles, la vie à deux. Les statistiques sont têtues là-dessus. Bon, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Vous, votre principale force, c'est la confiance. Je sais que vous en débordez de confiance. Non ? Et vous savez, quand on s'aime, on croit que on peut tout régler. Ça suffit pour tout régler, c'est faux. Méfiez-vous. Le quotidien est sournois. Il tue la passion. Il montre des revers qu'on ne soupçonnait pas. Chez l'autre et chez nous-mêmes. Je plaisante, bien sûr. Papa est très gai aujourd'hui, on n'a pas arrêté de rire. Tu t'es bien garé? Non, je suis en double fil. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Tu prends ces trois-là, c'est ce qu'il y a de plus lourd. Je prendrai le reste. Oh. Pardon, monsieur, j'allais partir sans vous dire au revoir. Au revoir, Arnaud. Et puis, bien entendu, vous passez quand vous voulez. Bien entendu. Arnaud. Oui. Non. Non, je voulais vous dire quelque chose qui ne sert strictement à rien. Vous inquiétez pas, monsieur. À bientôt. Vas-y, je te rejoins. Ben voilà, ça y est, tu peux y aller maintenant. Ça va, j'ai encore 2 minutes. Pourquoi faire? Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui! Tu sais, si t'as une idée pour faire ma chambre ou quoi que ce soit, un deuxième bureau par exemple, une bibliothèque, enfin n'importe quoi, tu peux l'organiser autrement. Et puis, t'oublie pas de faire suivre mon courrier. J'oublie pas de faire suivre ton courrier. De toute façon, je pars pas à l'autre bout du monde. T'en es sûr? Tu dois trouver que ça a été un peu trop vite. Ça va toujours trop vite, Julie. Hier encore, tu tenais dans une seule de mes mains. Tu m'inviteras de temps en temps? T'es pas trop occupé, oui. Pourquoi tu dis ça? On est toujours amis. On n'a jamais été amis, Julie, jamais. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? T'as rien prévu du tout? Pourquoi il fallait? Je sais pas.
T'as aucun regret pour Karine? Pardon? T'as aucun regret pour Karine? J'étais pas un homme pour elle. Je crois que... je suis un homme pour personne. Tu sais, Julie, j'ai fait une découverte. Je suis aperçu que je n'aimais pas le mouvement. J'aime que les choses restent qu'elles sont. Et ça, c'est pas bien, parce que c'est le contraire de la vie. Je voulais pas te voir changer. Hier encore, je voulais pas te voir grandir. Et aujourd'hui, je suis là comme un con à me demander ce qui m'arrive. Alors que tout ceci est on ne peut plus normal. Allez, sauve-toi maintenant, sinon on va croire que c'est moi qui ai changé de vie. Papa? Oui. Je t'appelle demain? Pourquoi faire? Je t'appelle demain. Julie. Julie. Julie.